Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Note Hero de Resident Evil 7. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, mettez un casque ou des écouteurs, fermez les volets, éteignez les lumières et on est parti pour se replonger dans la suite et la fin de ce DLC. Chris, on a repéré une zone derrière le tunnelier. Lucas? Peut-être bien. Essaie de voir si tu peux y accéder. Compris. Et on doit donc retrouver Lucas qui a décimé l'intégralité des coéquipiers de Chris Redfield et il se cachait derrière le tunnelier. On avait donc récupéré la clé et Lucas était justement une des seules personnes encore vivant de la famille Baker où on se demandait un petit peu où il traînait parce qu'il avait réussi à échapper finalement à Ethan. Et donc là, on va voir si on arrive à le capturer vivant pour la Neo Umbrella qui, je le rappelle, cette fois est censée être gentil, hein, Umbrella a été racheté. Pourquoi avoir gardé le nom d'Umbrella avec le passif qu'il a, c'est-à-dire avoir tué des millions de personnes et avoir créé les zombies finalement, hein, à cause du virus T, je le rappelle. Donc pourquoi avoir gardé ce nom? C'est assez terrible. Je trouve qu'ils auraient dû changer, mais bon, je pense que ça cache quelque chose. Et ça, on le saura dans Resident Evil 8, je suppose. Ça, c'est un beau tunnelier qu'on a là. C'est un beau tunnelier. Ok, on est parti. Alors les gars, par contre, à savoir que j'ai plus beaucoup de munitions parce que souvenez-vous, on sort de quelque chose d'assez terrible. On a un petit mot. Ok, le retour des médailles. Oh, c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on a? Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a là? Stéroïdes augmente votre vie maximum. Les stéroïdes peuvent marcher avec... Ah mais j'ai que deux pièces, c'est terrible. Et là, il en faut 5. D'accord. Ok. Bon bah c'est pas pareil ici, de toute évidence on pouvait utiliser les médailles mais j'en avais que deux, donc ça servait à rien finalement. Et je suppose que j'ai rien dans mon coffre, évidemment. Ok, donc 5 balles, des grenades neurotoxiques, ça risque d'être assez terrible ce qui va se passer. Ok, je vais... est-ce que ça c'est les munitions spé? Faut pas que je confonde avec les deux, je sais pas lesquelles sont les munitions spé, c'est assez terrible. Ok, on est donc parti. Je suppose que de toute façon, mes munitions spé, c'est les munitions où il y a le petit logo à côté. Munitions ramrod, ouais, donc c'est bien simple, parce que là, il y avait le logo. Beaucoup de cartouches de fusil à pompe, beaucoup de remèdes injectables, grenades incendiaires. Je pense que là, les amis, nous courons vers la fin du DLC. Hein, je le savais déjà, mais maintenant, c'est sûr. Hop, on va mettre ça ici. On est pas mal. On va tout reload. De toute façon, ok, il n'y a pas besoin. Ça, on va reload. Ce fusil à pompe fait pas beaucoup de dégâts, il est pas ouf. Ok, lumière s'il vous plaît. Christopher, encore de ce monde on dirait. Très impressionnant mon ami, très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. Ah! Ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, aucun souci. J'ai eu un petit peu peur. Ok. C'est pas moi qui ai tiré ça, hein. Ok, on va remettre les munitions normales. C'est bon, aucun souci. Non mais vous êtes combien, les gars? Ok. C'est terrible! Combien vous êtes, bordel de merde? Ok, c'est it's complicated. Ok, attendez, bougez pas. Hop, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Boum! Ok. C'est pas mal. Je suis totalement mort. C'est la fin. You are dead. Ok, on l'a refait, les gars. J'ai du mal un petit peu à focus la réelle différence entre ceux qui sont immortels ou non. Et ça, c'est un petit peu terrible. On est reparti. Je sais pas combien ils sont. C'est dingue. Mais ils sont beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, c'est reparti. Christopher, encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons voir si tu peux encore m'impressionner. Allez, vas-y, envoie la sauce. Envoie la sauce.
Ok. Alors quand je dis envoie la sauce. Plus doucement quand même, hein, plus doucement. Voilà. Ok, on est bon. Ok. Waouh! Il a explosé, il a totalement explosé. Ok. C'est bon. Bon bah là c'est un système de vagues. Ok, lui, quoi je te dis. Voilà. C'est bon, on est pas mal. Attends. Attends. On va soigner. Peut-être que t'es bon. Peut-être que t'as du bol. On va savoir. Ah ah. Ok. Je peux pas viser plus bas. C'est bon, il est mort. Plus de panique que de mal. Ok. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Mais merde. Ok, ah. Wow. Ok. Voilà, c'est bon, c'est pas mal. Mais non. Ok. C'est bon. Tu te tais. Allez, ça dégage. Ça part très très vite. Waouh. Je prends tellement ce que je mérite, putain. Ok, c'est bon, stop, on se calme. J'ai plus de 10 balles. Christopher, c'était limite sur ce coup-là. Quoi? Combien de temps tu penses pouvoir endurer ça? C'est sûr, hein. Ok. Voilà, aucun souci. Bon, on a un passage ouvert. Par contre, j'ai toujours plus de munitions. C'est assez terrible. Ok. C'est fini, d'accord? J'ai plus rien en stock. Tu veux pas non plus que je te plaigne, du con? Je sais. J'ai fait des choses terribles. Horribles, même. J'ai tué des hommes. Je les ai torturés. Et j'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tout comme je vais apprécier de te voir brûler. Début du compte à rebours avant détonation. Oh, t'entends ça? J'ai l'impression que ton temps est compté. Tic-tac, Christopher. Tic-tac. Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Et une bonne fois pour toutes, ferme-la. J'aimerais bien rester et te regarder mourir carbonisé. Je peux pas. Oui. On m'attend ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire? C'est par ici? Qu'est-ce que je dois faire? C'est terrible! Bon, c'est les secondes les plus longues de ma vie. Quoi? Mais qu'est-ce que... Pas qu'il n'a pas compris. Je vais mourir ici. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 4. Je suis foutu. Bien sûr que je vais mourir ici, mon petit pote. À moins de pouvoir 3. Passer par là. Adieu, mes reilles. Je vous aimais, putain. Je vois pas. Là, je vois pas. Oh, putain. Là. Allez! Oh, putain! Bah, c'est cuit. Ah, bah, c'est comme le riz, c'est cuit, les gars. 0. Adieu. Alors là, c'est un beau mystère. Je suis pas mort. Si, je suis totalement mort. Alors là, c'est un beau mystère, les amis, que nous avons là. Je vois pas. J'ai vu deux issues de trappe en bas. C'est pas grave, on la refait, les gars. On va y arriver. On va essayer de tout ouvrir, les gars. Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Mais une bonne fois pour toutes, ferme-la. J'aimerais bien rester et te regarder mourir carbonisé. Alors attendez. Je peux pas.
Oui. On m'attend ailleurs. Ok, il est temps de réfléchir, les gars. Des tuyaux. Là, on a une issue, mais on ne peut pas. On peut vraiment rien faire. Voilà, il est là, le dernier. Il est là. Et comme par hasard, c'est lui qui s'ouvre. Ah, oh, c'est terrible. Quoi? C'était pas. C'est bon. Mais. Et... Ok, on y va. On y va en bombarde. Ça va brûler, c'est moi qui vous le dis. On bombarde toujours. On l'a pas trouvé, notre ami Lucas, c'est compliqué. C'est par ici. Et c'est par là. Ça mène nous tout ça. Ça mène nous dans le milieu, forcément, mais. Oh la vache. Putain, c'est pas fini, hein. C'est pas la fin du DLC, les gars. Enfin, si, c'est la fin, mais c'est une fin. Rien de cassé? C'est bon, je suis vivant. On a intercepté un email que Lucas vient d'envoyer. Écoute ça. Je me suis occupé d'Umbrella et de Redfield. Tout ça m'a fait perdre du temps. Eux ont perdu bien plus. Mais je peux encore vous envoyer ces données, comme ça on sera quitte. Il croit que je suis mort. Il faut en profiter. Il a envoyé ça à qui? On est encore en train de décrypter ça. Occupe-toi de Lucas. Tiens-moi au courant. Les gars, putain. La touche R1 permet de se soigner, les mecs. La putain de touche R1 permet de se soigner. Je n'ai plus de soins, les gars. Je n'ai plus de putain de heal. Vas-y, dis-moi qu'il y a un heal, il y a quelque chose. J'ai rien pour ouvrir, C'est terrible, J'ai strictement rien. Ok. Bon, bah, j'ai plus le droit à l'erreur. J'ai plus le droit à l'erreur vu que je me suis soigné comme un trou de balle. Oh non, mais ça me paraît encore... Oh, mais ça me paraît immense, tout ça. Non, les mecs. Un petit effort, voyons. Ok, c'est verrouillé de l'autre côté, ça m'arrange. Je vous cache pas que ça m'arrange, parce que je commence à être en sueur. Ça me rappelle la dernière partie de, du jeu principal qui était dans le bateau. Et je peux vous dire que cette dernière partie était assez compliquée pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on a là? 12 minutes après administration. Calcification, ok, un classique. Bonjour. Ah. Ok, on va remettre les munitions spé. On a pas mal de trucs ici sympas. On en sait un petit peu plus sur la transformation. Ok, ça commençait par les parasites et tout, souvenez-vous. Oh, ça me redonne tellement envie de rejouer au jeu principal. Bon bah là c'est des photos d'horreur, hein, bien évidemment. C'est pas le meilleur... Ok. J'ai plus le droit à l'erreur, les gars. Je vous le dis, j'ai plus le droit à l'erreur. J'ai fait des bêtises. Des bêtises qui m'ont... Et qui vont me coûter cher. Ok. Vous êtes bien morts, messieurs. Ah! Ok. Boum! Ça part très très vite, hein. Hop, j'ai mis une balle au cas où. Ok, j'ai retrouvé un remède, ça va. Je retrouve foi en l'humanité. On est bon, bon c'est un peu dégueulasse. Mais au final je viens pour quoi? Je viens pour des munitions que j'ai utilisées. Donc c'est un petit peu ridicule. Ah non, c'est la photo déjà. Ok, d'accord. Donc ça c'est Evelyn, souvenez-vous. Ça c'est la poupée d'Evelyn. Ça, non ça c'est la poupée d'Evelyn. Evelyn qui a été fait en poupée. Et sa mère je suppose. On va lire le dossier. Rapport sur E001, 26 juillet 2016. Aucun changement significatif. Elle passe son temps à jouer à la poupée. Elle a transformé deux gars en mycomorphes aujourd'hui. Donc Evelyn, hein, encore une fois. État de santé, toux et fatigue le 12 août. Après avoir joué à la balle avec papa, elle a commencé à se plaindre d'être fatiguée. Elle a changé un gars en mycomorphe colosse. D'accord, donc ce qui est bien, c'est que quand elle est fatiguée, elle change les gens en mycomorphes, hein, c'est les trucs, les créatures donc. Et les scientifiques, ils notent ça dans un rapport, genre tout va bien, ils ont perdu leurs collègues, mais tout va bien. Encore 12 ou 14 jours plus tard, elle vieillit tout d'un coup, elle a perdu du poids, ses cheveux commencent à tomber, la totale, plus elle crie et plus elle vomit, le sous-sol est salement contaminé. Aucune cause apparente à ce vieillissement, je vais demander plus d'instructions.
D'accord. Et le 9 septembre 2016, le vieillissement a ralenti et semble plutôt stable. La compagnie nous a envoyé la nécrotoxine E. Nous avons pour ordre de l'utiliser si elle devient hors de contrôle. Et moi qui pensais être bizarre. Donc Evelyne, je le rappelle, avait été infectée par un virus qui pouvait transformer en mycomorphe. Et s'était transformée donc en personne âgée et s'était incrustée dans la famille Baker. Et c'était assez terrible pour elle. Et elle pouvait donner des hallucinations une fois que vous étiez contaminé. Et c'était assez dingue. C'était assez dingue. Donc évidemment, c'est du spoil total, mais vous avez forcément vu mon let's play sur le jeu principal, hein, les gars. Faites un petit effort, c'est pas bien grave. Allez, on est parti. Mais ça redonne envie de jouer à Resident Evil 7. Hein. Ça, c'est clair. C'était sûr. C'était putain de sûr. Cet homme esquive naturellement les balles. Allez, ça part direct dans la bouche. Monsieur, vous êtes mort. Donc c'est ça un mycomorphe, hein. Vous l'aurez compris. C'est pas très beau. J'en ai ma claque de ce Lucas. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête des recherches. Pour qui ils me prennent? Pourquoi est-ce que moi, diplômé de Stanford en microbiologie, je dois travailler sous les ordres de cet abruti? Tout ce qu'il fait, c'est jouer avec les cobayes en les faisant se battre entre eux et réaliser des autopsies juste pour le plaisir. Ce type est malade. Il n'a aucune idée du potentiel du Muta Mi-7 de série E. Je vais parler de son attitude au prochain meeting avec le QG. Très bien. Donc Lucas travaillait avec les scientifiques. Oh là là là, c'est assez terrible tout ça là. Hein. C'est assez terrible. Ok. Donc j'ai trouvé des munitions de pistolet, ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant les gars? Moi j'ai ma petite idée et croyez-moi, hop, c'est forcément une bonne idée. On est parti, on continue. On va encore affronter un boss. Hein. C'est quasi sûr. Avec toutes les balles de pistolet que j'ai. C'est par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lucas. Lucas. Ok. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Évidemment, il n'y a pas de courant. Il va falloir allumer le courant. Pour allumer le courant, il va falloir sombrer en enfer. Ok, il n'y a personne par ici. Allez, vas-y. Qui dit courant dit porte ouverte à toutes les portes fermées. Oh, bordel, c'est pas vrai. Oh, merde. Lucas. Comment, frérot? Ok, quoi? Il est déjà parti. Ok, il tapait un truc. Envoyé le jeudi 20 juillet 2017. J'ai eu un petit imprévu, mais ça y est, l'affaire est réglée. Je vais envoyer les données de série E maintenant. Ça devrait pas prendre longtemps. Une fois que tout sera transféré, je me tire. Ça veut dire que Lucas est encore conscient et travaille encore avec une société. Mais alors avec qui? Moi, je pense réellement que Lucas travaille encore avec Umbrella, Neo Umbrella. Et ça risque d'être terrible. J'ai tué tous les chercheurs des connexions. Ils avaient tendance à mettre leur nez là où il ne faut pas dès que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'ils pensaient vraiment me la faire à l'envers? Bah, j'imagine qu'ils aimaient pas être sous mes ordres. Bref, je les ai foutus en cage avec quelques mycomorphes. Ils se sont chiés dessus et m'ont supplié de les épargner. J'espère juste que je vais être capable de garder mon sérieux quand je devrais rapporter leur mort accidentelle. C'est sûrement le bon moment pour couper les ponts avec les connexions. Je suis le seul à pouvoir vraiment profiter de la moisissure d'Evelyn. Ok. Quand il parle de la moisissure d'Evelyn, il parle du reste de la contamination. Dernière sauvegarde possible, je suppose. On va save, les gars. C'est dommage que j'ai gâché un soin. Il m'en reste plus qu'un. C'est assez terrible. Je suis navré. Je suis fort navré. Oh, un crochet. Un crochet en espérant trouver une petite boîte. Très bientôt. Ok, munitions de pistolet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acheteur pour les données 2. Trouvé. Prêt pour le transfert des données. D'accord, donc en fait, c'est quelqu'un qui veut acheter le virus E. On va l'appeler comme ça. Ah, putain, merde, c'était déverrouillé. Je suis sûr qu'on a des choses derrière. Ok. Je suis sûr qu'on a quelque chose derrière, les gars. J'avais souvenir qu'on avait vu une caisse, mais où? J'en ai plus trop le souvenir. Mais vous savez quoi? On va aller la chercher. Je tente la caisse de tout à l'heure, en espérant que la chance me sourie. Et j'y crois fort.
Ok, on a un store ici, je pense qu'il va falloir revenir par ici. La caisse était par ici, non? Yes, elle était juste dans le couloir. On va la tenter, les gars. Ok. C'est bon, c'est déverrouillé. Qu'est-ce que c'est que cette canon? Ah, deux munitions. Ok, il me tire pas dessus, je ne sais pas pourquoi. Il a sûrement plus de munitions. Peut-être fait bugger le bordel, je sais pas. Allez, on y va, les gars. L'affrontement. Sûrement final. Je suis toujours en munitions spé, c'est très bien. Et j'ai pas mal de munitions. J'ai 30 munitions à peu près. 33 pour être plus précis. Dans mon pistolet de base. Donc c'est parti, régalez-moi. A mon avis, il va y avoir... Il va y avoir tout un groupe. Ah, oh, oh. Oh. Ok. J'ai envie d'aller voir. J'ai pas l'air de me faire tirer dessus. Ok, je me fais pas du tout tirer dessus. C'est très très beau. Ah. D'accord, donc il se passe quelque chose par ici. En fait, c'est juste, voilà, les armes, c'est pas un bug. C'est les armes qui n'ont plus de munitions. Oh là là, il y a trop de choses, il y a trop de choses à fouiller. Je comprends pas, les gars, c'est terrible. Il y avait une grande pièce, on va tenter cette porte. Moi, Lucas est passé par ici. Il y a trop de choses, je ne sais pas, je ne sais plus. Ah, j'ai juste déverrouillé, d'accord, très bien. Ah bah oui, mais j'aurais dû passer par ici dès le début pour savoir. J'ai juste déverrouillé la porte, les gars, du début, très très bien. Bon bah c'était bien par là où j'allais. On est parti, on en sait un petit peu plus. Donc Lucas travaille pour une société. Et son but c'est donc de transférer un maximum de choses sur le virus. Oh, cartouche de pompe 8, c'est immense. C'est immense et c'est fort appréciable. J'ai encore beaucoup de munitions. Ça va être assez terrible. Comment peux-tu pas t'en sortir? Tu devrais être mort. On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. De quoi je me mêle? Ça te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petite Evie. Beaucoup de gens. Les amis de Connection sont au courant de tout ça? Pas sûr qu'ils soient du genre à pardonner. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper d'eux. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Impossible. Non, non. J'arrive pas à y croire. Il va bien falloir. C'est terminé. Non. Pas question. Ferme-la et accepte ton sort, Lucas. T'aimerais bien, hein? Oh la vache. C'est donc les feux de sang. Je crois qu'on a un petit problème. Ok, il se transforme, c'est l'infection bien dégueu. L'infection est à un stade critique. Ouais, merci, je m'en étais rendu compte. Oh, j'ai une surprise pour toi. T'es dans la merde. Sans déconner, je suis au courant. Comme si j'avais pas été prudent jusqu'ici. Ok, c'est pas grave, j'incarne Chris Redfield, un héros, les amis. Je ne vois rien. Ok. C'est parti! Ok, nous avons déjà un problème. Brûle. Ok, c'est bon. Ok, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On vide les chargeurs. C'est donc ça, Lucas, sa transformation. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Un point faible? Moi, je vois un point faible. Ok. Je vois pas comment le tuer. Est-ce qu'on peut le tuer? Waouh, ça c'est beau. Alors ça on apprécie, ça c'est artistique.
Ok, on va mettre les munitions spot là-haut. Ah. Erreur, c'est compliqué. L'air est contaminé à un niveau extrême. Tue cette créature avant que ta réserve ne s'épuise. Ah, merci du conseil. Station d'approvisionnement en oxygène prête. Ok, ça brûle. Ça brûle très très vite. Ça brûle très très vite. Allez mon pote, je suis déjà à la moitié. J'utilise tout. Ta bouteille d'oxygène est vide de moitié. C'est bon, je m'en occupe. Considérez que c'est un homme totalement mort, ce Lucas. Ok. Allez. J'ai plus beaucoup d'oxygène. Je peux pas faire mieux, je perds pas une seule seconde. Ok. C'est compliqué. Waouh. C'est bon. Vite, tu dois trouver de l'oxygène. Comment je trouve de l'oxygène, cousin? Mais quoi? Ok, il n'est pas compris. C'est bon, Erkir. Oh, j'ai eu chaud, putain. C'est bon, ça pue ça. Aucun souci. Game over. Comment j'arrête ça? Il doit y avoir un moyen d'éteindre le serveur. Mmh. Peut-être qu'en trouvant les relais du transformateur, tu peux... Ok, ça a marché. Pas sûr que les techniciens apprécient ça, mais bon... Tu viens de faire chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Oh. Alors je rentre. Ok. Tout est bien qui finit bien. Pas pour eux, malheureusement. Mais la moisissure est confinée. Espérons que ce soit les dernières victimes, Davy. Espérons. Chris, il y a un appel pour toi. Il faut que tu reviennes au camp. Compris. C'est bon, j'arrive. Ok, c'est donc officiel, la famille Baker est entièrement exterminée. Et ça fait mal parce que je rappelle que la famille Baker, bah, ils étaient sympas dans le fond. Bien évidemment, ils n'ont rien demandé. C'est Evelyn qui a pourri toute cette famille. Temps de jeu 1h18, pièce antique 2 sur 10, fichier par contre 7 sur 9 hein, qu'on a tout lu, objet utilisé, etc., etc. De toute façon, je ne vous ai rien caché, vous avez eu les 3 épisodes au complet, mode de difficulté déverrouillé, des objets. Donc, ce DLC était court, hein, 3 épisodes, c'est peu, mais il y a un autre DLC qui nous attend, c'est la fin de Zoé, et on va encore découvrir de nouvelles choses, donc ça va se jouer pour avant Noël, vous aurez le début normalement, et la fin jusqu'à Noël. J'espère que ce DLC vous a plu, pas un héros qui est entièrement gratuit, où on incarne Chris Redfield. Ça fait d'ailleurs bizarre de voir Chris Redfield, mais il y a encore beaucoup d'interrogations, à qui, à quelle société Lucas envoyait ses fichiers. Umbrella, sont-ils vraiment gentils? Chris Redfield travaille avec Umbrella, donc il se pose pas de questions, enfin, il se pose des questions, mais il travaille quand même avec, donc c'est un petit peu contradictoire. Où est Leon S. Kennedy aussi pendant ce temps-là? Il y a beaucoup de questions. Où est la sœur de Chris Redfield, Claire Redfield, qui est censée d'ailleurs mourir dans Révélation 2? J'en ai fait le let's play sur ma chaîne, beaucoup d'interrogations. J'espère qu'on aura les réponses
et je suppose qu'on aura beaucoup de réponses dans Resident Evil 8. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire, et à très vite pour la fin de Zoé.